La chaîne de monsieur le russe 225. Voilà, donc je voulais juste m'excuser pour ceux qui m'envoient des messages et tout ça. Voilà, je vois bien vos messages et en ce qui concerne les études ici en Russie, ceux qui ont reçu des bourses et tout ça. Donc les gars, pour ceux qui m'ont écrit comme ça hier et avant-hier, essayez de m'écrire comme ça sur Telegram ou bien Instagram. Vous allez trouver les liens en commentaire ou bien en description. Parce que j'ai eu un souci avec mon téléphone et l'application WhatsApp. Donc, essayez de m'écrire via Telegram. Voilà, c'est le même numéro. C'est le numéro qui passe là et aussi Instagram. Donc, aujourd'hui, je suis là juste pour vous présenter la bourse de la Turquie, l'université COS qui a été lancée. Donc, à tout à l'heure. Et puis, je vais essayer de vous expliquer pour voir comment ça marche, les gars. Alors, donc, comme je vous le disais, voilà, c'est la plateforme qui est là pour ceux qui sont déjà... Quand j'ai vu le site, voilà. Donc, comme je vous le disais encore, cette bourse ne concerne pas les étudiants de la licence, les nouveaux bacheliers, mais seulement que le master et doctorat. Voilà. Donc, ceux de la licence peuvent attendre parce que si par exemple vous venez là, ici par exemple, ça veut dire que c'est la licence. Je vais mettre en français comme ça, vous allez mieux comprendre. Voilà, ça c'est la licence, c'est le premier cycle. Vous voyez ici. Voilà, donc si vous venez là à la bourse, ici la bourse qui est là, c'est la bourse turque qui doit être lancée, mais c'est pas encore lancé. La bourse turque que vous connaissez, vous tous connaissez, et cette bourse là, c'est de cette bourse là que je parle. Pour la licence, par exemple, si je clique sur ce qui est là, vous allez voir que en fait la licence pour l'instant c'est pas encore lancé. Donc je choisis le premier cycle et je fais les recherches. Voilà, vous allez voir que tout est fermé. Voilà, donc ici je choisis premier cycle et puis je lance la recherche. Voilà, vous voyez là, tout est fermé, c'est pas encore ouvert, rien n'est encore ouvert pour le premier cycle. C'est pourquoi je vous dis que la bourse c'est pour le second cycle. Voilà, donc je vais repartir directement ici. Je vais mettre par exemple master. Si c'est master, vous choisissez master. Si c'est doctorat, vous choisissez doctorat. Voilà, donc ça va dépendre de vous. Donc moi je choisis master, comme si je venais faire le master ici. Donc maintenant les éléments qui sont là, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Voilà, et vous faites la recherche pour pouvoir voir les éléments qui sont disponibles. Voilà, donc si on vient là, vous voyez que il y a archéologie et histoire de l'art. Vous voyez que la date limite c'est quand? C'est le 1er avril 2022. Voilà, et ici aussi les études en anglais, la date limite c'est quoi? Ici c'est le 17 décembre, ici 2021, le 17 décembre. Voilà, et vous voyez un peu ici c'est déjà fermé, donc c'est pas la peine de pouvoir postuler. Donc si vous avez eu la chance que votre matière ou bien votre faculté y est déjà, voilà, vous allez l'utiliser et vous allez postuler. Mais avant tout, pour pouvoir postuler, c'est quoi? Il faut d'abord s'enregistrer sur le site ici. Voilà, je vous montre parce que vous allez voir un peu comment ça se passe. Et en même temps, actuellement, je suis en train de vous montrer comment est-ce que vous devez postuler. Et je vais faire une autre vidéo où je vais essayer de postuler en même temps que vous. Voilà, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Donc ici, par exemple, comme ça, je reviens sur la première de couverture ici. Je reviens par exemple ici. Voilà, on était là. Donc... pour pouvoir postuler, qu'est-ce que vous allez faire? Ici c'est pour les masters, voilà qui est là. Ne cliquez pas ici. Ici c'est la bourse de Turquie, la bourse de Turquie que vous connaissez vous tous. Voilà, si vous cliquez là, vous allez voir c'est la bourse de Turquie, mais c'est pas encore lancé. Vous voyez, c'est pas encore lancé, donc c'est pas la peine de cliquer là. Voilà, donc je reviens sur ma première page. Ok, donc quels sont les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler? Je vais venir là par exemple comme ça sur comment postuler. Vous allez voir comment est-ce qu'il faut faire. Ok, donc
demande de bourse turque ici et ici aussi. Je viens là. Demande de bourse turque. Ah, celui-là. Un instant. Ici c'est PhD, ici c'est voilà, c'est là. Ok. Donc arrivé là, qu'est-ce que vous faites? Parce que tous les éléments qui sont là, arrivé là, je vais choisir Masters. Voilà. Et il fait mes recherches. Ok. Donc une fois que j'arrive là, je choisis ma faculté que je vais où je vais postuler. Biomedical Science, ingénierie avec thèse, donc je peux cliquer ici. Voilà. Et une fois que vous arrivez là, ici par exemple, ici, regardez bien, les cours commencent le 14 février 2022. Donc si vous pensez que vous pouvez commencer les cours le 14 février 2022, alors vous utilisez et puis vous postulez pour pouvoir commencer les cours en février 2022. Donc quels sont les éléments dont vous avez besoin? Voilà, voici tous les éléments qui sont là. Je vais mettre en français. Pour que vous devez viser à fournir deux références académiques, mais les références de l'employeur sont également acceptées. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez donner deux lettres de recommandation. Voilà, maintenant pour ceux qui travaillent, vous pouvez aussi donner, avoir une recommandation de votre employeur, voilà, de votre patron. Voilà, c'est acceptable. Les références ne peuvent pas télécharger de lettres de référence. Les référents existants, il leur sera demandé de remplir un court formulaire pour fournir une référence. Vous devez inclure le nom, le poste, l'adresse email de votre établissement, adresse dans la section propriété du formulaire. Bon, tout ça, ça se trouve sur le site. Voilà, quand je vais commencer à postuler, vous allez voir, vous allez pouvoir aussi. Voir comment ça se passe pour pouvoir postuler. Ici, une lettre de recommandation doit être jointe à votre candidature. Voilà. Et ici, cliquez ici pour consulter votre vidéo comment rédiger une lettre de motivation forte. Voilà, donc ceux qui veulent voir comment est-ce qu'on rédige une lettre de motivation, parce que c'est le poumon même de l'admission dans une université ou bien pour postuler à une bourse. Voilà. Et voici les documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler. N'oubliez pas, les cours que vous allez faire seront en anglais, donc il faudrait avoir un test TOEFL, voilà, et ici, ou bien IBT, c'est ce que je vous disais, si vous allez sur Duolingo, vous allez pouvoir avoir ce test, donc c'est pas vraiment trop compliqué, et il faut aussi votre CV, rapport de test, ça c'est pas vraiment très important, voilà, ici, officiel, relevé de notes, de toutes les universités fréquentées. Voilà, donc je crois que après, avec ça, voilà, vous pouvez y aller. Une fois que vous finissez de voir et de vérifier que vous vérifiez les propriétés de la bourse, alors vous pouvez maintenant venir cliquer là, appliquer maintenant ici, voilà, et essayer de postuler. Mais je répète encore, vous devez d'abord vous enregistrer avant de pouvoir postuler. Voilà, ça c'était l'année passée que j'avais fait ça. J'avais fait la vidéo pour vous montrer, mais cette fois-ci, vous allez cliquer ici comme étant nouveau candidat. Donc, si vous cliquez ici, je suis un nouveau candidat, vous allez voir que ici, on vous dit de saisir votre mail. Donc, moi, je vais mettre ce mail-là. Je vais changer de mail parce que je reçois trop de messages sur votre mail. Je répète encore. Pour ceux qui m'ont écrit sur WhatsApp aujourd'hui et hier et aujourd'hui, essayez de me réécrire sur Telegram ou bien Instagram parce que il y a un souci avec avec mon application dans le téléphone. Donc essayez de m'écrire via Telegram avec le même numéro. Voilà, ça marche. Donc ici, excusez-moi, ici je mets mon mail.
N'oubliez pas, vous allez d'abord vous enregistrer avant de pouvoir mieux postuler. Donc ici, par exemple, on me dit que nous avons envoyé un lien de connexion unique à votre adresse email. Veuillez vous rendre sur la bonne. Hein? Si on vous demande un code PIN, veuillez utiliser celui-ci. Ok. Donc, je vais aller sur ma boîte mail pour pouvoir confirmer et commencer à m'enregistrer afin de postuler. Donc, allons-y sur la boîte mail. Ok, j'ai reçu ce premier message. Je vais voir. Ok, je vais voir si c'est le message. Voilà, c'est l'université Coast. Donc, je vais cliquer là. Voilà, ça me renvoie directement sur le site où je vais m'enregistrer. Donc, on m'avait demandé d'utiliser un code. Je vais voir ce code-là. C'est 4898. 4898. Donc, ici, je mets 4898. Ok, donc, vérifions, voir. Ok, donc. Directement, vous voyez que je peux continuer. Je vais mettre mon nom ici. Je vais changer de nom. Ok. Il y a full name. Nom et prénom. Ok. Le password. Vous pouvez utiliser le password qui est là, ou bien vous-même créez votre password. Voilà, pour ne pas trop durer cette vidéo, je vais utiliser le password qui est là. Ainsi, je clique sur enregistrer. S'il y a un souci, ils vont me rappeler cela. Voilà, donc à partir de cet instant-là, voilà, vous allez commencer maintenant à postuler pour l'admission et aussi chercher à avoir la bourse. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais faire une deuxième vidéo. Et puis je vais vous montrer un peu comment ce qu'on peut faire jusqu'à fini. Voilà. Je vous rappelle encore que j'ai un souci avec mon WhatsApp. Donc pour tous ceux qui m'envoient des messages, essayez de m'envoyer vos messages par Telegram. Telegram, c'est avec le même numéro. Voilà. Et ou bien envoyez-moi vos messages par Instagram. Voilà. Tous les liens sont en commentaire, en description plutôt. Vous allez dans la description, vous allez voir les liens là-bas, les liens Instagram, les liens Telegram. C'était un peu ça. À tout à l'heure pour une seconde vidéo et nous allons poursuivre ensemble pour vous montrer un peu comment ça marche. À plus les gars.